offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Let us give a round of applause to Jesus Christ. Notre jeunesse qui se rend au camp biblique des étudiants. Our youth who are going to the Bible camp, the students' Bible camp. Demande nos prières. Asking for our prayers. Qu'ils viennent et que nous puissions prier pour qu'ils partent. May they come so that we can pray for their departure. Qu'ils reviennent sains et saufs. And that they should come back safe and sound. Ce sont les délégués. They are delegates. Vous voyez comment ils sont vaillants. You see how they are valiant. Déterminés. Determined. Tends ta main vers eux. Stretch your hand towards them. Bénis-les comme tu penses, comme tu veux, comme tu désires. Bless them as you think, as you want and as you desire. Nous savons que dans les cœurs des enfants de Dieu, you know that in the hearts of children of God, habite la bénédiction. Blessings abide. Prions ensemble. Let's pray together. Père, conduis-les victorieusement d'Abidjan jusqu'à Koumé. Father, lead them victoriously from Abidjan to Koumé. Que ta bonne main soit sur chacun. May your good hand be upon each one. Que ton ciel soit ouvert au-dessus de chacun. May your heaven be open upon each one of them. Que leur intelligence soit régénérée. May their intelligence be regenerated. Qu'ils comprennent les choses spirituelles. So that they understand spiritual things. Qu'ils voient les choses spirituelles. And see spiritual things. Qu'ils soient transformés. May they be transformed. Par la révélation divine. By divine revelation. Unis-les dans le même esprit. Unite them in the same spirit. Permet que au retour. Grant that upon return. Que les fleuves d'eau vive. May rivers of living water. Qui vont couler de leur sein. Flow from their belly. Remplissent l'œuvre dans la nation. And fill the work in the nation. Au nom précieux de Jésus-Christ. In the precious name of Jesus Christ. Et que la semence demeure en eux. And may the seed remain in them. Qu'ils soient des dépositaires. So that they should be custodians. Pour les générations qui arrivent. For generations to come. Si Jésus tarde à venir. If Jesus tarries. Que les flèches du diable. May the arrows of the devil. Soient brisées. Be broken. Que toute forme d'attaque soit anéantie. May every form of attack be brought to naught. Au nom précieux de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Qu'ils soient une bénédiction pour leurs voisins. May they be a blessing to their neighbors. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que leurs familles soient protégées pendant leur absence. May their families be protected in their absence. Que leur ministère dans la nation soit protégé. May their ministry in the nation be protected. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Allez-y. Yes. Saluez les frères. Saluez le frère Théodore. Greet the brethren and greet brother Theodore. Le leader mondial. The international leader. Si tu es là pour la première fois, lève ta main. If you are here for the very first time, please raise your hand. Est-ce que vous êtes prêt à donner vos vies à Jésus? Are you ready to give your lives to Jesus? Baissez d'abord les mains. Put down your hands, please. Parce que nous allons prier en tant qu'une famille en Dieu. Because we are going to pray as a family in God. Si tu ne mets pas ta vie en règle, tu ne pourras pas être béni. If you don't put your life aright, you will not be able to pray with us. Le Seigneur aime la vérité. The Lord loves the truth. Quand tu veux t'approcher de lui, when you want to draw near to him, tu t'examines toi-même. You should examine yourself. Lis pour nous 2 Corinthiens, 2 Timothée chapitre 2 verset 19 à 20. Read for us 2 Timothy chapter 2 verse 19 to 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses,
Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Il y a beaucoup de tentations dans le monde. There are many temptations in the world. Quand tu veux servir Dieu, when you want to serve God, le diable vient. The devil comes. Il commence à te tenter. And he begins to tempt you. Quel est son but? What is his goal? Son but, c'est que tu commettes le péché et que Dieu te chasse. His goal is for you to commit sin and for God to cast you out. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Le but de toute tentation, the goal of every temptation, c'est que tu commettes le péché, is that you should commit sin, et que Dieu te chasse, and for God to drive you out. Si le diable réussit à te faire tomber, if the devil succeeds to make you to fall, il t'a vaincu. He has overcome you. Tu veux servir Dieu. You want to serve God. Le diable envoie les tentations. The devil sends temptations. Et tu tombes. And then you fall. Et tu es découragé. And you are discouraged. Mais ce passage-ci, but this passage, nous donne un secret. Gives us a secret. Ce passage dit que même comme il y a les tentations dans le monde, this passage says, even though there are temptations in the world, ceux qui sont avec Jésus, those who are with Jesus, ceux que Dieu a sauvés, those that God has saved, ne tombent jamais. Never fall. Le solide fondement, God's solid foundation, posé par Dieu lui-même, laid by God himself, reste toujours debout. It's always standing. It's sure. Il y a les vents, la tempête, les there tentations, and les persécutions, and persecutions, les railleries, les mépris, les injures, mockery, spite, and insults. Solide, it stands solide. Firm. Le solide fondement, the solid foundation, posé par Dieu, laid by God, restera toujours debout. Is sure, stands firm. Mais il y a une manière de venir. But there is a way to come. Il dit, he says, si tu veux invoquer le nom de Jésus, if you want to call on the name of Jesus, si tu veux invoquer le nom de Jésus, if you want to call on the name of Jesus, tu t'éloignes du péché. You must separate yourself from sin. Beaucoup commencent à invoquer Jésus sans même traiter le problème du péché. Many begin calling on the name of Jesus without first of all handling the problem of sin. La méthode de Dieu, God's method, c'est que avant de dire Seigneur Jésus, is that before you say Lord Jesus, aide-moi, help me, avant de l'invoquer, before calling on his name, tu abandonnes d'abord le péché. You first of all abandon sin. C'est ça qui est le solide fondement. That is the solid foundation. Jésus a dit que les gens qui écoutent sa parole sans mettre en pratique sont comme ceux qui bâtissent les maisons sur le sable sans fondation. The Lord Jesus said, those who listen to his words and don't put it into practice are like those who build their house on the sand without any foundation. Essaye de poser un grand bâtiment sur le sable. Try to build a big building on the sand. Quand l'eau va ruisseler, l'eau de pluie, when the rain waters wash off, ça va emporter cette maison, ce bâtiment. It will carry away that house. Vous voyez les traces de ruissellement qui sont devant nous ici. Do you see the traces of water runoff that we have in front of vous us pouvez même observer, même sur notre place ici. You can see it right where we are. S'il pleut là, if it rains, vous verrez de l'eau, you'll see water qui ruisselle, that is running off, qui creuse la terre, which is digging the earth. Les tentations te secouent. Temptations shake you. Si tu es fragile, tu tombes. If you are fragile, you fall. Le solide fondement posé par Dieu reste toujours debout. God's solid foundation is sure. Avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. With an inscription that is its seal, the Lord knows those who are his. Quand les gens fabriquent les cachets, when people make stamps, il y a des phrases qu'ils mettent dedans. There are sentences, words that they put in those stamps. Ça peut être travaillons, travaillons, travaillons. It could be, let's work, let's work, let's work. Ça peut être fraternité, fraternité.
It could be brotherhood, brotherhood, brotherhood. Union, union. It could be union. Les union. Paroles qui sont dans le cachet de Dieu. The words that are in God's seal, God's stamp. C'est que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Is that the Lord knows those who are His. Quand Dieu met le cachet. Bam. When God puts the stamp, bam. Si tu regardes. If you look at it. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Ce sont ces paroles-là qui servent de sceau. Those are the words that serve as the seal. Ça veut dire qu'on ne peut pas tromper Dieu. It means that we cannot deceive God. Tu viens t'asseoir là. You come and sit. Avec d'autres projets dans ta tête. With other projects in your mind. Tu dis, moi je ne veux pas Jésus. You say, I don't want Jesus. Mais je veux qu'il m'aide. But I want him to help je me. Ne peux pas le servir. I cannot serve him. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas la force. I don't have time, I don't have strength. Mais je veux qu'il me bénisse. But I want him to bless me. Tu as déjà perdu. You have already lost. La Bible dit. The Bible says, pendant que Jésus était à Jérusalem, while Jesus was in Jerusalem, beaucoup de Juifs ont cru. Many Jews believed in him. Mais il ne se fiait pas à eux. But he's not give himself parce to them. Parce qu'il connaissait ce qui était dans leur cœur. Because he knew what was in their hearts. Jésus connaît. Jesus knows les gens qui sont déterminés. Those who are determined. Les gens qui disent que nous là, même s'il faut mourir pour Jésus, nous allons mourir. Those who say for Jesus, even if it means that we die, we will die. Certains disent de bouche Jésus, 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 Jésus. Some people confess with their mouths, Jesus, Jesus, Jesus. Et ils ne résistent à aucune tentation. But they resist to no temptation. Tu présentes un verre de bière, ils tombent. You present a glass of beer, they fall. S'ils vont même un peu d'argent, si tu as même de l'argent dans ta main, ils tombent, ils tombent. If they just see that is a sum of money in your hand, they just fall. J'avais, ce n'était même pas un ami, j'habitais avec un monsieur, un jeune homme. I used to live with a young man. Lui travaillait dans un bar, il vendait pour quelqu'un. He was working in a bar, selling for someone. Moi j'étais au lycée. I was in high school. Donc qu'est-ce qu'il fait? What did he do? Pour tromper les filles. To deceive girls. Il prend la recette du jour, il met dans sa poche. He would take the balance of the day and put in his pocket. Et il va dans un milieu où il y a les filles. Then he would go into an environment where there are girls. Dans cet argent-là, il peut avoir dedans 500 ou 150. That is in the sum of money, what belongs to him could just be 500 francs. Pour acheter Coca, il sort tout, tout ça. To buy a bottle of Coca-Cola, he will remove everything. Et puis il y a des folles qui sont là pour penser que c'est son argent. Then there are foolish girls who are there thinking that it is his money. Alors que le gars il dépense ses 150 francs. Whereas the guy would only spend 150. Il remet le reste dans la poche. And then he put the rest in his pocket. Dès qu'il appelle une prostituée. As soon as he calls a prostitute, tu sais. It just yields. Le matin, c'est la guerre. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. The morning, there is complete war. Tout give my temps, money. Give my money. Give my money. And this happens every day. Tu vas changer. You change. Il dit, he says, ce que Dieu cherche, what God expects, c'est des vases propres. What God is looking for, c'est pas clean la vessels. Qualité, la, c'est pas que c'est en or, ça coûte cher, ça peut coûter cher mais sale. Dieu ne regarde pas là-bas. It doesn't matter whether it's of gold or it's costly. It could be costly or made of gold, but it is dirty. Tu peux être méprisé. You could be despised par les hommes. By men. Mais propre. But clean. C'est toi que Dieu veut prendre. It is you that God wants to take. C'est comme ça que Dieu travaille. That is the way God works. Il y a de l'or, il y a l'argent, il y a le bois, il y a l'argile. Pour nous, tu sors seulement sur l'or. Tu dis, je prends ça. Mais Dieu regarde et cherche ce qui est propre. There is gold, there is silver, there is bronze, there is clay. But when you see, you want to jump on gold. Alors, but when God looks at it, he looks at what is clean. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui veulent se donner à Jésus d'une façon claire? Are there amongst you people who want to give their lives to Jesus in a clear way? En se séparant du péché. By separating from sin. Dieu ne demande pas deux choses à quelqu'un. God does not demand two things from people. Le problème de Dieu, c'est que l'homme doit laisser le péché. God's problem with man is that man must abandon sin. Si tu es assis là, if you are seated there, sachant qu'il y a des péchés que tu gardes, knowing that there is sin that you've kept, tu es disqualifié. You are disqualified.
Mais tu peux réparer la situation. But you can make amends. Tu peux te réconcilier avec Jésus maintenant. You can reconcile with Jesus right now. Si tu es prêt, if you are ready, lève ta main. Raise your hand. Venez ici. Please come here. Venez. Que tout cela vienne rapidement. Let all those ones come to Le solide fondement posé par Dieu subsiste toujours. God's solid foundation is firm. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. With an inscription which is sealed. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. The Lord knows those who are His. Quiconque prononce le nom du Seigneur and whoever calls on the name of the Lord s'éloigne de l'iniquité. Should turn away from iniquity. Quiconque prononce le nom du Seigneur whoever calls on the name of the Lord s'éloigne de l'iniquité. Should turn away from iniquity. Quiconque veut prononcer le nom du Seigneur whoever wants to call on the name of the Lord s'éloigne de l'iniquité. Should turn away from iniquity. Le solide fondement the solid foundation ne tombe jamais. Never falls. Si tu donnes clairement la vie à Jésus, if you clearly give your life to Jesus, même s'il y a des tentations dans le monde, even if there are temptations in the world, la main du Seigneur sera sur toi. The hand of God will be upon you. Il protégera ton cœur, and he will protect your heart de la vanité. From vanity, il te rappellera ses promesses, and he will remind you of his promises. Il fortifiera ton âme, and he will strengthen your soul, afin que tu ne pèches point, so that you should not sin. Qui d'autre? Who else? Lève-toi et viens. Rise up and come. Qui d'autre? Who else? Lève-toi et viens. Rise up and come. Qui d'autre? Who else? Lève-toi et viens. Rise up and come. Peut-être que toi tu étais déjà en Christ. Maybe you were already in Christ. Mais tu es retombé. But you fell off. Et pendant que je parlais, tu avais mal au cœur. And while I was talking, you had pain in your heart. Tu te souviens des jours où tu étais en bonne relation avec Jésus. You remember the day when you were in good relationship with Jesus. Tu peux revenir. You can come back. Lève-toi et viens. Rise up and come. Tu peux revenir. You can come back. Lève-toi et viens. Rise up and come. Tu peux revenir. You can come back. Lève-toi et viens. Rise up and come. Tu peux revenir. You can come back. 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 Et tu dois revenir. And you must come back. Et tu dois revenir. And you must come back. Que le démon ne te tente pas ici. Let the demon not tempt you here. Il t'a tenté. Il t'a eu. He tempted you. Maintenant là. Brought you down. Now. Où tu dois décider de revenir. Where you must decide to come back. Qu'il ne vienne pas te tenter ici. He shouldn't come and tempt you here. Lève-toi et viens. Rise up and come. Dis-lui Satan. Tell him Satan. Tu ne mourras pas. You will not have je the hold on je me réconcilie avec Jésus aujourd'hui. I will reconcile myself to Jesus today. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, if you have not yet received Jesus, cette parole s'adresse à toi. This word is for you. Ne ferme pas ton cœur à Jésus-Christ. Do not close your heart to Jesus Christ. La Bible dit, the Bible says, si aujourd'hui, if today, vous entendez sa voix, you hear his voice, n'endurcissez pas vos cœurs. Do not harden your hearts. Il y a des gens qui ont une capacité démoniaque de fermer le cœur à Jésus. There are people who have a demonic capacity to close their hearts to Jesus. Ils savent que Jésus les appelle. They know that Jesus is calling them. Et ils ferment le cœur. But they close their hearts. Lève-toi et viens. Rise up and come. Je sais que certains sont sous l'influence des démons. I know that some are under the influence of demons. Et il y a même des voix qui leur parlent. And they have even voices. Et tu ne vas pas, ne vas pas, ne vas pas, ne vas pas. Telling them not to go. Nous étions au Burkina. We're in Burkina Faso. Deux dames sont entrées. Two ladies came pendant in. Pendant que je prêchais. While I was preaching. J'ai lancé l'appel. I launched the call. Tout le monde a donné Jésus. Everyone gave life to Jesus. Le Saint-Esprit continue. And the Holy Spirit was telling me to continue. Et j'insistais. And I insisted. Après, une s'est levée. Afterwards, one of them got up. Elle est venue. And she came. Elle demeure en Christ ce jour. And she is abiding in Christ until en venant, today. While coming, they had agreed. Et se sont dit, allons, mais ne donnons pas nos vies à Dieu. That let's go, but let's not give our lives to Jesus. Mais avec l'insistance du Saint-Esprit. But with the insistence of the Holy Spirit. Une s'est levée. One. Sans demander à l'autre, qu'est-ce que tu penses? Without asking the other, what do you think? C'est comme ça que Dieu travaille. And that is how God works. Venir à deux. Two of you might come. Et le Saint-Esprit peut te saisir. And the Holy Spirit can lay hold of you. Ça c'est la grâce. That is grace. C'est la faveur de Dieu. It's the favor of God. Quand Dieu opère ainsi,
When God works this way, lève-toi. Rise up. Tu donnes la vie à Jésus. And give your life to L'autre Jesus. Va décider après. The other one will decide later. Et après, and afterwards, l'autre s'est levé. The other one came up. Elle est venue. And she came. Mais elle n'a pas demeuré. But she did not abide. Certains ne savent même pas que c'est à eux que Dieu parle. Ils ne savent pas qu'ils sont importants. Some people don't even know that it is to them that God is speaking. They don't know how important they are. Est-ce que Dieu me connaît? They ask, does God even know me? Dieu te connaît. God knows you. Dieu t'appelle. God is calling you. Et il te convainc qu'il est en train de t'appeler. And he's convincing you. Lève-toi et viens. He's calling you. Rise up and come. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens rapidement. Rise up and come. Rise up and come. Acclamez. Clap. Elle est sage. She's wise. Lève-toi et viens. Rise up and come. Ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit me dit, il y a certains ne savent même pas que c'est d'eux que le Seigneur est en train de parler. The Holy Spirit is telling me that some people don't know that they are the ones about whom the Lord is speaking. Lève-toi et viens, il s'agit de toi. Rise up and come, it is about you. Où es-tu? Where are you? Certains pensent qu'ils sont très bons, très justes. It's not that they are very good. Ils ne savent pas que ils sont sur la liste de Dieu. They don't know that they are on God's list. Comme personne au cœur endurci. As people with hardened hearts. Le Seigneur t'appelle. The Lord is calling. Lève-toi et viens. Rise up and come. Dans 2 minutes, j'arrête. In 2 minutes, we are going to stop. Dans 2 minutes, j'arrête. In 2 minutes, I'll stop. Certains ne savent pas que c'est d'eux que le Seigneur est en train de parler. Some don't know that it's about them that God is speaking. Il s'agit de toi. It is about you. Lève-toi et viens. Rise up and come. Nous allons commencer la prière. We are going to begin praying. Si tu dois venir, viens maintenant. If you must come, come right away. Vous êtes heureux. You are blessed. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Vous êtes heureux. You are blessed. Si vous ne comprenez pas ça maintenant, vous allez comprendre. If you don't understand it now, you understand later. Vous êtes heureux. You are fortunate. Le Seigneur dit, the Lord says, j'honore ceux qui m'honorent. I honor those who honor me. À partir d'aujourd'hui, from today, Dieu va vous traiter autrement. God will treat you differently. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. He says, I honor those who honor me. Si tu veux montrer à Dieu qu'il n'est rien, if you want to show God that he's nothing, lui va te rappeler, he will remind you, que tu n'es que poussière, that you are just dust. C'est ce qu'il a fait à Adam. What he did to Adam. Adam a écouté le diable. Adam listened to the devil. Dieu lui a dit, n'est-ce pas? God told him, right? Tu as écouté Satan. You have listened to the devil. Tu es poussière. You are dust. Tu vas rentrer dans la poussière. And unto dust you will return. C'était triste. It was sad. L'homme ne savait même pas qu'il était poussière. Il était là depuis. Il ne savait pas où on l'avait tiré. Man did not even know that he was dust. He was there for a long time, not knowing from where he was taken. Cette révélation était douloureuse. That revelation was painful. Que des pieds, des mains, les yeux, c'est de la poussière. That hands, feet, and all of that are dust. Le Seigneur vous honore. The Lord honors you. Il est écrit dans la parole. It is written in the word. Il glorifie le malheureux en le sauvant. He glorifies the unhappy by saving him. Vous allez voir des interventions de Dieu dans vos vies. You will see God's intervention in your lives. Vous allez voir le combat que Dieu va mener pour chasser les démons qui vous suivent. You will see the battles that God will undertake to cast out the demons that trouble you. Vous allez voir les révélations qu'il va vous donner pour que vous soyez sages dans ce monde. You will see the revelations that he will give you so that you'll be wise in this world. Quand les frères parlent, ils disent ils ont vu les anges. C'est vrai. Vous verrez les anges de Dieu auprès de vous. When the brethren speak and they say they saw angels, it's the truth. You will see the angels of God just next to you. Il sera attentif à vos prières. They will be attentive to your prayers. Il va vous affermir. They will strengthen you. Il va vous fortifier dans l'homme intérieur.
He will strengthen your inner man. Il a dit dans sa parole, he said in his word, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que mon Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. That you know that I'm in my Father, and my Father is in me, and that I'm in you, and you are in me. Même les petits enfants qui sont là, Jésus va produire la révélation de sa présence en vous. Even the little children who are here, Jesus will produce the revelation of his presence. Et votre in you. Foi va remonter. And your faith will grow. Donc, dites après moi. Say after me. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Merci. Thank you. Parce que tu dis, because you say, que le solide fondement reste toujours debout. That the solid foundation stands firm. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. J'avais peur. I was afraid. De te donner ma vie et de retomber encore. To give you my life and then fall back later. Je reçois ce soir. This evening I receive. Que ta main sera sur moi. That your hand will be upon me. Pour m'aider à persévérer. To help me to persevere. À persévérer. To persevere. C'est pourquoi je te dis, pardonne-moi. That is why I say forgive me. Parce que je reconnais tous les péchés que j'ai commis devant toi. Because I acknowledge all the sins I have committed before en parole, you. In words. En pensée. In thoughts. Et en action. And in deeds. J'ai fait du mal. I've done evil. J'étais offensé. I've offended you. Pourtant, je ne suis rien. Whereas I'm nothing. Oh Jésus. Oh Jesus. Pardonne-moi. Forgive me. Lave-moi. Wash me. Oh Jésus. Oh Jesus. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Afin que quand tu viendras. So that when you come back. Que je sois avec toi. I'll be with you. Dans ton royaume. In your kingdom. Merci Seigneur. Thank you Lord. Stretch your hand. Let's ask that the grace of God avec chacun. Will be with each one. Guéris. That those who are sick be healed. Que ceux qui sont poursuivis par les démons soient délivrés. That those who are possessed by demons be delivered. Que les desseins de Dieu s'accomplissent dans leur vie. That the purposes of God will be accomplished. Tout ce que Dieu a planifié pour chacun. That all that God has planned for each one. Et qui a été bloqué par des esprits méchants. And which was blocked by evil spirits. Et par des hommes méchants. And by wicked men. Par l'occultisme, la magie, la sorcellerie. By occultism, magic and witchcraft. Que tout cela soit brisé. That it should all be broken. Que leur vie soit délivrée. That their lives should be delivered. Des mauvaises influences. From evil influences. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Christ. Amen. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Asseyez-vous, on va commencer la prière en même temps. Please be seated and we are going to begin praying. Tout ce qu'on va demander, demandez aussi. All that we are going to ask, ask as well. Vous êtes des enfants de Dieu. You are children of God. Prends une feuille, si tu sais écrire, hein. If you know how to write, tu écris 10 choses que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie. Write down 10 things that you want God to accomplish in your life. Ça peut concerner ta personne. It could concern you directly. Ça peut concerner ta famille. It could concern your family. Ça peut concerner un ami. It could be about a friend. 10 choses. 10 things. Dieu va travailler, Dieu va agir. God will work and God will act. Jésus a dit, Jesus said, quand vous priez, dites, when you pray, say, notre Père qui est aux cieux, our Father who art in heaven. Il y a plusieurs types de prières. There are many kinds of prayer. Il y a la prière qu'on adresse à Dieu le Père lui-même. There are prayers that we address to God the Father himself. Il y a des prières qu'on adresse contre le diable. There are prayers that we direct against the devil. Et contre ses démons. And his demons. Il y a des prières qu'on adresse pour détruire l'œuvre du diable. There are prayers that we direct to destroy the works of the devil. Si le diable a laissé une maladie dans ta vie, if the devil has put a sickness in your life, il y a des prières pour chasser ça. There are prayers that we raise to cast them out. Nous allons commencer par la prière qu'on adresse à notre Père. We are going to begin
by prayers directed to God our Father. C'est pour cette raison que ceux qui ont refusé Jésus sont déjà disqualifiés. That is why those who refuse, who have rejected Jesus, si tu es assis, if you are seated, si tu es assis, if you are seated, alors que tu devais être devant, whereas you had to be in front, tu as déjà perdu. You have lost. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Que on dit qui veut donner la vie à Jésus, tu restes calme. When we say who wants to give his life to Jesus and you stay quiet. Et quand on dit lèvons-nous, nous allons invoquer notre Père, tu te lèves. And then when we say stand up and we are going to call on our Father, you stand. Il faut jamais faire ça. Never do that. La Bible dit, the Bible says, si quelqu'un détourne son oreille, if someone turns away, pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, from listening to the law, that is the word of God, sa prière est une abomination, c'est-à-dire quand il prie, il pêche. Even his prayer is an abomination, means when such a person prays, he sins. Si tu refuses Jésus, if you deny Jesus, tu as refusé son Père. You have denied his Father. Celui qui n'aime pas le Père n'aime pas le Fils. He who doesn't love the Father does not love the Son. Et celui qui n'aime pas le Fils n'aime pas le Père non plus. C'est écrit. He who does not love the Son doesn't love the Father as well. Qui veut changer de camp? Who wants to change camps? Il se rend compte qu'il a mal choisi. He has just realized that he chose badly. Et il veut se lever pour aller de l'autre côté. And he wants to stand to go forward. Lève la main. Raise your hand. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Is there anyone? Non, on peut continuer. We can go on. Si tu ne sais pas écrire, if you don't know how to write, tu remplis ton cœur de sujets. Fill your heart with topics. Et tu te places devant Dieu. And then you stand before God. Tu parles. You speak. Tu parles. You speak. Si tu ne veux pas gêner ton voisin, if you don't want to disturb your neighbor, si tu ne veux pas qu'on entende les choses que tu vas dire à Dieu, parce que quelqu'un peut être là avec des oreilles très ouvertes, il entend pour toi, il entend pour lui-même. If you don't want tu te that lèves neighbor, doucement, tu marches, tout ça c'est pour la prière. Tout, tout, if you don't cet want espace c'est pour la prière. What you're saying, because there are people who stretch their ears to hear people's prayers, you just rise up and you move out. This place is made for prayer. You can move out freely anywhere. Seulement, ne parle pas, ne prie pas dans ton cœur. The only thing that you shouldn't do is pray in your heart. La prière amène les choses à l'existence. Prayer brings things to existence. Jésus priait, on entendait ce qu'il disait. C'est pour cette raison que les prières sont dans la Bible. On dit Jésus leva les yeux et dit, et il parle, on entend. Jesus prayed and what he said was heard. That's why it is written. And they said, he lifted up his eyes and he spoke and people heard. Peut-être tu as fait un tour dans une secte où on t'a appris à rester la bouche fermée. Jésus parle. Maybe you pass by a sect and they ask you to do things with your mouth closed. Jesus, you speak. Tu présentes la situation à Dieu. You present your situation to God. Tu dis, oh Père. You say, oh Father. Je suis dans l'angoisse. I am in anguish. Et tu lui parles. And you speak to him. Tu dis, oh Père. You say, oh Father. Je suis dans la confusion. I am in confusion. Et tu commences à lui parler. And then you start speaking to him. Tu dis, oh Père. You say, oh Father. Je suis en proie au terreur. I am prey to terror. Viens à mon secours. Come to my rescue. Tu dis, oh Père. Say, oh Father. Qui d'autre est au ciel que toi? Who else do I have in heaven but you? Tu lui parles. You speak to him. Demande sans crainte. Ask without being afraid. Demande avec ferveur. Ask fervently.
Demande avec conviction. Ask with conviction. Demande avec assurance. Ask with assurance. Demande encore avec assurance. Ask again with assurance. Demande avec assurance. Ask with assurance. Demande sans crainte. Ask without being afraid. Si le diable veut te juger, the devil wants to judge you. Tu dis arrière de moi Satan. Say, get thee behind me Satan. Quelle que soit ta demande, whatever, quelle que soit ta demande, whatever you're asking, ne crains rien, fear nothing, ne doute point, don't doubt. Demande-lui, 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 demande-lui. Ask him, ask him, ask him, ask him. Ouvre ta bouche et parle. Open your mouth and speak. Même si les larmes coulent, ça ne fait rien. Parle-lui. Even if you say yes, don't fear. Speak to him. Dis, oh Père. Say, oh Father. Exauce-nous. Answer us. Nous sommes devant ta face. We are before you. Oh Père. Answer us. Nous oh sommes Father. Devant ton trône. We are before nous your throne. Devant ton trône. We are before your throne. Nous sommes devant ton trône. We are before your throne. Exauce-nous, Père. Answer us. Oh Father. Et en criant, tu penses à tous les frères qui sont en prière maintenant. While speaking, you should think of all your brethren who are praying now. Quand tu dis Père, exauce-nous. When you say Father, answer us. Tu penses à tous les enfants de Dieu. You should think of all the children of God. Qui sont en train de crier à Dieu maintenant. Who are crying out to God right qui now. Qui sont en train de crier à Dieu maintenant. Who are crying out to God right now. Dis, oh Père. Say, oh Father. Tu as dit dans ta parole. You said in your word. Invoque-moi au jour de la détresse. Call on me in the day of trouble. Je te délivrerai. And I'll deliver you. Et tu me glorifieras. And you glorify me. Dis Père. Say Father. Exauce-nous. Answer us. Say, oh Father, answer us. Oh Père, par compassion. Say Father, by compassion. Par compassion. By compassion. Par miséricorde. By mercy. Par miséricorde. By mercy. Par amour. By love. Par amour. By love. Exauce-nous. Continue à prier, continue à prier. Continue to pray, continue to pray. Demandez tout ce que vous voulez demander. Ask everything that you want. Même si le médecin t'a dit. Even if the doctor told you que tu ne peux pas guérir, that you cannot get healed, si Dieu dit lui, oh Père, tell him, oh Father, le docteur a dit, the doctor said, que je veux mourir, that I'll die, mais je ne veux pas, but I don't want, guéris-moi, heal me, il est ton Père, he's your Father, il est ton Père, he's your Father, il est ton Père, he's your Father. Ora baka shara ga baka la ga shara ga baka la ga shara ga baka, ora ga baka la ga shara ga la ga baka la ga, ora ga baka shara ga baka, ora ga baka la ga shara ga la ga baka shara ga la ga. Tiens-toi debout. Please stand. Qui a déjà reçu son parler en langue parmi vous? Who already speaks qui n'a pas encore reçu le parler en langue? Who here doesn't speak in tongues yet? Parce que nous allons prier en langue. Because we are going to pray in tongues. Qui est un enfant de Dieu mais qui n'a pas encore reçu le parler en langue, lève la main. Who is a child of God but who doesn't speak in tongues yet? Please raise your hand. Ça c'est le premier, l'un des premiers dons qui se manifeste quand on a le Saint-Esprit. This is one of the first gifts that manifests itself when we have the Holy Spirit. Être enfant de Dieu et ne pas parler en langue, ça ne se comprend pas. Being a child of God and being unable to speak in tongues cannot be understood. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, when the Spirit of God is in you, il vivifie ton esprit. He enlivens your spirit. Et tu pries en langue. And then you speak in tongues. J'étais dans ma chambre. I was in my room. Quand je venais de donner ma vie à Jésus. When I just given my life to Jesus.
Et le Saint-Esprit est descendu. And the Holy Spirit came down. Je me suis mis à parler en langue. And I began to speak in tongues. Il n'y avait même pas de réunion comme celle-ci. There was not even a meeting like this one. Tu vas prier en langue. You are going to speak in tongues. Qu'est-ce que la Bible dit? What does the Bible say? Que le Saint-Esprit habite en nous. That the Holy Spirit dwells in us. Et que Jésus nous a revêtus de l'Esprit. And that Jesus has clothed us et with le the Seigneur Spirit. Dit. And the Lord says, ouvre ta bouche. Open your mouth. Que l'Éternel la remplisse. For the Lord to fill it. Même pour prophétiser. Even to prophesy. Tu ne peux pas prophétiser avec la bouche fermée. You cannot prophesy with your mouth closed. Quand Dieu te dit, parle à mon peuple. When God tells you, speak to my people. Il faut que tu ouvres la bouche et que Dieu mette les paroles dedans. You need to open your mouth for God to put the words through. Le problème c'est que certains parlent, quand on dit prie, parle en langue et continue dans leur langue maternelle, d'autres continuent en anglais ou en français. Comment tu ne peux pas parler deux langues à la fois? Some people, the problem is that when they say you should speak in tongues, some speak in their mother tongue, others speak in French or in English, but you cannot speak two languages simultaneously. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Je n'ai pas besoin de t'exhorter parce que le Saint-Esprit va te faire parler en langue ce soir, tu verras. I don't need to exhort you because the Holy Spirit will make you speak in parce tongues. Au nom de Jésus, je brise ton incrédulité. In the name of Jesus, I break your unbelief. Au nom de Jésus, je détruis le voile. In the name of Jesus, I destroy the veil. Qui t'empêche de contempler l'œuvre de Jésus. That stops you from beholding je the glory. Détruis le voile. I destroy the veil. Qui t'empêche de comprendre l'œuvre de Jésus. That stops you from understanding the work of Jesus. Je brise la carapace de ta chair. I tear the shell of your flesh. Qui t'empêche de t'exprimer par l'esprit. That stops you from expressing yourself in the spirit. Que l'esprit s'élève. May your spirit rise. Et que ta chair soit abaissée. And may your flesh be brought low. Maintenant, dans ton esprit. Now in your spirit, tu penses au sujet que tu as présenté à Dieu. Think about the topic that you raised up to God. L'apôtre dit qu'il va prier avec l'intelligence, il va prier avec l'esprit. The apostle Paul said he prayed with knowledge and he prayed in the spirit. Faut faire les deux choses à la fois. Those two things go together. Tu parles en langue, tu pries en français ou bien en anglais ou bien dans la langue de ta mère. You pray in tongues, you pray in English or French or your mother tongue. Tu pries avec la langue que tu comprends. Pray in the language that you understand. Et puis tu pries en esprit. And then you pray in the spirit. Tu verras. Quelqu'un dit là que quand on parlait en langue. Someone said a while ago that when we were praying in tongues. L'éclair est venu du ciel, ça a fendu le rocher. Lightning came from heaven and broke the rock. Le Saint-Esprit connaît les phrases. The Holy Spirit knows the sentences. Qui peuvent faire descendre le feu. That can make fire to calm down. La Bible dit que quand nous prions, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. The word of God says that when we pray, we don't know what we need to ask. Mais le Saint-Esprit prie pour nous. But the Holy Spirit prays for us. Par des soupirs inexprimables. With groans that cannot be explained. Toi, tu peux bricoler. You can just do quand lui prend. But when he takes over. Il frappe parce qu'il connaît. He strikes and strikes because he knows. Alléluia. Hallelujah. Lève tes mains, dis merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Raise your hands, say thank you Lord for the Holy Spirit. Dis merci pour le don de parler en langue. Thank you for the gift of speaking in tongues. Merci parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Thank you because the one speaking in tongues edifies himself. Et ses prières deviennent efficaces, révélationnelles. And his prayers become efficient and revelational. Dis, oh Dieu, donne-moi ce don maintenant. Give me that gift right now. Dis, oh Dieu, renouvelle mon parler en langue. Say, oh Lord, renew my speaking in tongues. Dis, Dieu, je suis dans depuis 5 ans. Je veux parler diverses langues. Tell the Lord, I only speak da for 5 years now, Lord. Je veux parler diverses langues. I want to speak different tongues. La Bible dit de le don de parler diverses langues. Give me the gift to speak in different tongues. Da la, au nom de Jésus, je te sépare de ce da. I separate you from that da. Et je te bénis avec un renouvellement de langue. And I bless you with a renewing of your tongues. Maintenant, prions en langue. Ouvre ta bouche que l'Éternel la remplisse. Now open your mouth for the Lord to refill tout le monde en langue, tout le monde en langue. Everybody pray in tongues. Prie avec ferveur. Pray fervently. Libère ton esprit. Release your spirit. Par la foi. By faith. Entre dans tes dons.
Get into your gifts. Gore balakasaka, reta masa, reta bani, reta labasa, reta namasa, dere bakarse, yere makalamana, yere maka, where kalabase, karabase, 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 Dieu, oh Père, say, oh Father, exauce-nous, answer us, oh Père, souviens-toi de nous, oh Father, remember us, Seigneur, ouvre ton oreille, open your ears, sois attentif à nos cris, be attentive to our à cries, nos supplications, to our supplications, change notre situation, change our situation, exauce-nous maintenant, answer us now, par ta grâce, by your par grace, ton amour, by your love, par tes compassions, by your compassion, prie en langue, Dieu, oh Père, say, oh Father, merci parce que tu as dit dans ta parole. Thank you because you said in your word. À cause de toi, because of you, j'envoie l'ennemi contre Babylone. I'll send the enemy against Babylon. Fais-le maintenant, Seigneur. Do it right now, Lord. Fais-le pour nous, Seigneur. Do it for us. Fais-le pour nous, Seigneur. Do it for us, Lord. Fais-le pour notre délivrance. Do it for our deliverance. Fais-le pour les guérisons. Do it for healings. Fais-le pour les libérations. Do it for freedom. Fais-le pour la croissance spirituelle. Do it for spiritual growth. Fais-le pour les victoires. Do it for victories, for victories. Oh, la victoire. Victory, victory. La victoire pour toutes les batailles. Victory in all battles. Des batailles dans lesquelles nous sommes engagés. Battles in which we are involved. Exauce chacun selon son besoin. Answer each one according oh, to his Père. Oh, Père. Father. Exauce chacun selon ses besoins. Exauce chacun selon sa demande. Exauce chacun selon ses requêtes. Exauce chacun selon ses supplications. Prie en langue maintenant. Prie en langue. Dieu Père, oh Father, pardonne à quiconque est en train de douter. Forgive anyone who is doubting. Pardonne à quiconque manque de persévérance. Forgive each one who lacks perseverance. Et exauce-nous. Answer us. Oui, continue à prier. Certains ont douté et le Saint-Esprit a vu. Continue to pray. Some doubted the Holy Spirit. Qu'il pardonne ceux qui sont en train de douter. Let him forgive those who are doubting. Qu'il pardonne ceux qui sont en train de douter. Let him forgive those who are doubting. Oh, rikalabase, bakarabase, 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 gorobakarba, gorobakarbase, gorobakarbase, bakarabase, bakarabase, bakalabaka, gorobakalamakere maltam, yunde ekadina, zende karabatinde, zende kundaraba, zende karabala, zende karabala, zende karabala, zende karabala, uraba karabasende, uri albase karabase, uri abakere abakala, uri abakarabasende kere balta, uri abakala bakasenge, uri abakala baseba, uri abakala bakebaka, uri abakala bakere abaka. Asseyons-nous. Let's be seated, please. Dis merci, Seigneur. Say thank you, Lord. Ton oreille n'est pas dure pour entendre. You are not deaf to listen to our, to us. Ta main n'est pas courte pour sauver. Your hand is not short so that you cannot reach out to us. Dis merci, Seigneur. Say thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci pour ce que tu viens de décider pour mon frère et ma sœur. Thank you, Lord, for that which you just decided for my brother and my sister. Merci pour ce que tu viens de décider pour moi. Thank you for that which is just decided in my favor. Merci, Seigneur. Thank you, Lord.
Merci parce que tu nous as révélé qu'il y avait des incrédules. Thank you because you revealed that there were those who were unbelieving. Merci parce que tu nous as conduit à prier pour ceux qui ont douté. Thank you because you led us to pray for those who doubted. Merci pour cette grâce. Thank you for this grace. Merci parce que tu as pardonné leurs doutes. Thank you because you forgave their doubts. Et que tu as exaucé. And that you answered. Et tu as exaucé. And you've answered. Lis pour nous dans 1 Samuel. Read for us 1 Samuel. Chapitre 11, versets 1 à 2. Chapter 11, verse 1 and 2. Versets 1 et 2. Verse 1 and 2. Nakash l'Ammonite vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nakash, « Traite alliance avec nous et nous te servirons. » Mais Nakash l'Ammonite leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Amen. Nous allons prier. We are going to pray. Pour supplier Dieu. To plead with God. D'enlever l'opprobre qui est sur toi. To take away the disgrace that is upon you. L'opprobre c'est quoi? What is disgrace? Le passage que le frère vient de lire. The passage that our brother just read. Dit que quelqu'un lançait un défi aux enfants d'Israël. Says someone challenged the children of Israel. Il dit, je veux dominer sur vous. He said, I will dominate over you. Les enfants d'Israël disent, pardon, essayons alliance en même temps. The children of Israel said, well, let us get into a covenant. Il dit, j'accepte. He says, I accept. Mais je veux vous crever. Chaque personne aura l'œil crevé, l'œil droit crevé. But I will gouge out the right eye of each one of you. Ils sont déjà des esclaves, mais l'ennemi dit, je vais encore crever l'œil pour que ce soit le problème. They are already slaves, but the oppressor says, I will take out the right eye. Je veux imprimer le propre sur vous. To stamp the shame on you. Vous savez, les maladies, les phénomènes, j'appelle ça phénomène, comme une grande femme qui fait pipi au lit. C'est ça qu'on appelle, on a marquer l'opprobre sur toi. You know, phenomena like a big lady who pees on the bed is what we can call disgrace. Tu ne peux pas aller chez les gens. You cannot visit people. On dresse le lit, on te respecte le matin, c'est mouillé, même 15 litres d'urine. They arrange the bed so le well jour, for you. Le jour même on t'a honoré là, c'est ce jour-là même que ça sort beaucoup. The day that he decides to honor you, to make good bed for you and the rest, is the day that you decide to be until 15 liters. On te prend au sérieux. They take you so seriously. Mais on te donne l'ivrognerie. But you are given drunkenness. Quand j'étais encore en fonction, when I was still working, j'étais jeune, zélé. I was young and zealous. Professionnellement. At the professional level. J'ai trouvé un agent très fort. Le gars, il avait fait droit quand la maîtrise, on faisait encore, c'est la licence, on faisait encore à 4 ans. I found an agent. Quand on faisait la licence à 4 ans, c'est là qu'il a fait, il a eu sa licence en droit. I found an agent who was so brilliant and he had his first degree when they were still doing the bachelor's degree for 4 years. J'ai appris beaucoup de choses dans les correspondances administratives avec lui. I learned so many things in administrative correspondence with him. Je ne connaissais pas son dossier. I didn't know what he was going through. Le gars était fort, intelligent. The guy was brilliant, intelligent. Un français cohérent. He had a coherent language. Or, c'était un ivrogne chronique. He was a chronic drunkard. On l'amenait de temps en temps à la Croix Bleue pour enlever l'alcool dans son sang. Donc je suis arrivé quand on venait d'enlever. From time to time they used to call him and they would take out alcohol from his system and I met him when that just been taken out. J'étais content de son travail. Je lui ai donné 18. And I was so happy about
his output. I gave him 18 on 20. I said, people like you, we don't need to make you to delay. So I gave him 18. Mais même cette semaine-là, that same week, qu'il a repris, he resumed. Il insulte tout le monde. And he began insulting everyone. Il entre partout, il jure partout. He got into every office. Il raconte toutes sortes d'histoires. Il monte des sangs. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? And he told every kind of story. J'ai donné 18 à qui? I said, to whom had I given 18 or 20? C'est le pro. That is shame, disgrace. On ne peut pas l'honorer. He cannot be honored. C'est comme si dès que tu l'honores, là, il se déshabille. It's as though as soon as you honor him, he undresses himself. Il y a des maladies qui sont une sorte de pro. There are diseases that come from disgrace. La tâche dit, j'accepte d'être votre maître, que vous soyez mes esclaves. They can Mais say, il faut que j'imprime ça clairement, que je crève vos yeux, là. Les droits de chacun, je perce. I accept this covenant that you're asking from me, but I need to gouge out the eyes of each and every one Qu'est-ce of you que to prince that I'm your oppressor. Demande à Dieu Ask God d'enlever cette opprobre. To take away that disgrace. Certains savent de quoi il s'agit. Each one knows what it's all about. Mais si le Seigneur enlève, but if the Lord takes it away, la grâce va t'accompagner. Grace will accompany you. La grâce va t'accompagner. Grace will accompany you. Vous voyez comment l'ennemi est méchant. You see how the enemy is wicked? On a déjà envoûté quelqu'un. Someone has already been bewitched. Mais on cherche quelque chose qui est socialement humiliant. On dit, il faut qu'on colle quand même quelque chose sur lui pour que partout où il va aller, qu'on sache que c'est un esclave. But they look for something that is socially humiliating and they stick it on him and say, wherever he goes, he should be known to be a slave. Tu vas dire à Dieu, you tell God, roule cette opprobre. Rule away this. C'est lui qui disgrace. Peut mettre fin à ça. He is the one who can. It is only him who can put Quand an end to this. Quand l'ennemi vient, c'est pour détruire. When the enemy comes, he comes to destroy. Frère, Jésus nous l'a enseigné. Jesus taught us this. Le voleur vient pour dérober, pour détruire, pour tuer. Il ne vient pas pour te caresser, The thief only comes to steal, to kill, and to destroy. He does not come to caress you and to pet you and the rest. L'ennemi peut te couvrir de gale. The enemy can cover you. C'est fini, tu es humilié. And it is ended. You are humiliated. Tu te grattes, le sang coule partout. And when you scratch yourself, blood flows everywhere. Ça va finir. It is ended. Ça va finir. It will end. Dieu est bon. God is good. Il va rouler ça. He will roll this away. Tu auras des preuves. And you have proof. Que Dieu a roulé ton opprobre. That God has rolled away your disgrace. Tu auras des preuves. You tu auras des preuves. That God has rolled away. Tu auras des preuves. You have proof. Que les choses ont changé. That things have changed. Que Dieu t'a exaucé. That God has answered you. Tu auras des preuves. You have proof. Si c'est une plaie, if it's a wound, elle va guérir. It will heal. D'une manière miraculeuse. In a miraculous way. Elle va finir. It will finish. Des maladies comme l'hémorroïde. Sicknesses like piles. Ça va disparaître. Ce sont des marques. It will disappear. L'opprobre, on dit, collons-lui cette maladie sale. These are marks of disgrace. They say, let us stick on him this disgraceful illness. Vous étudiez bien. Il dit, j'accepte que vous soyez mes esclaves. Study mais je dois well. Percer les droits de chacun. He says, I accept that you should be my slaves, but I must gouge out the right eye of each one of you. Et il dit pourquoi? Il dit pour imprimer le propre sur vous. And he states why he says, this is to stamp disgrace on you. C'est là où les enfants d'Israël ont compris que ce n'était pas les amusements. That is when the children of Israel understood that this was not a joke. Ils ont commencé à chercher qui parmi eux peut relever ce défi-là. They started seeking who among them could stand up to that challenge. Et Dieu les a délivrés. And God delivered them.
Tiens-toi debout, frère. Rise up, brother. Dieu va agir. God will act. Pense à quelqu'un qui vit sous l'opprobre. Think about someone who is living under disgrace. Le diable a couvert Job d'ulcère. The devil covered Job with sores. Il prenait les tessons de bouteilles et se grattait. He used to take and pieces of bottles to scratch himself. Il était misérable. He was miserable. Le résultat, the result, tout le monde se moquait de lui. Everyone mocked him. Que toi tu, c'est toi qui enseignais les gens. Enseigne maintenant, enseigne-toi toi-même. It is you who used to teach people. Teach now. Dis, oh Père. Say, oh Father. Créateur du ciel et de la terre. Creator of the heaven and the earth. Merci de me révéler. Thank you for revealing to me. Que l'ennemi vient pour détruire. That the enemy comes to l'ennemi destroy. Vient pour tuer. To kill. Et l'ennemi ne vient pas pour plaisanter. The enemy does not come to joke. Mais tu es plus fort que l'ennemi. But you are stronger than the enemy. Tu déplaces les montagnes. You move mountains. Tu déchires les rochers. You cast rocks into pieces. Ton éclair déchire les nuages. Your lightning tears the clouds. Ta volonté laisse tomber la pluie. Your will stops the rain. Par ton souffle, by your breath, la terre se fend. The earth is shaken. Et engloutit tes adversaires. It opens up and it swallows your enemies. Seigneur éternel, Eternal Lord, délivre-moi de l'opprobre. Deliver me from disgrace. Oh, roule, roule, roule. Oh, roll it away, roll it away, roule, 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 roule. Roll it away, roll it away. Roule, roule, roll it away. Qu'il roule. Roll it away. Qu'il soit précipité dans les abîmes. Let it be thrown into the abyss. Que ma face soit relevée. So that my face will be raised. Que ma face soit relevée. So that my face will be raised. Que la dignité humaine. So that my human dignity. Que tu as donné à tout homme sur la terre. That you gave to everyone on earth. Soit restauré. Will be restored. Continue à prier maintenant. Continue to pray now. Kalabasha karabasha karabaka karabakashaka. Honda rababa zidi baba. Rinda bakasida. Rinda bakarabasida. Rinda bakarabakashiga. Rura bakashere bakoda. Reba shere bakura bakaraba. Rera bakase bakarabaka. Ura bakasika rabakashiva. Rura bakasebe kende ribalta. Rebi kende ribikana bakashiri. Rindi kere bata bakare bakasa. Uri kamba reba kalma ziliba. Beri kamba reba bakasa baka. Eri karama la bakara malaba. Uri karama la bakashire bakalabaka. Ura bakasere bakashara. Uri bakala bakasede karma hanan. Ura bakala bakara bakara. Ura bakala bakala bakara. Ura bakara bakashikara bakara. Dieu Père. So, oh Father. Je suis environné par la honte et le mépris. La honte et le mépris. I am surrounded by shame. La honte et le mépris. La honte et le mépris. Oh Père. Oh Father. Même les enfants m'insultent. Même les enfants m'insultent. Even children. Oh Père. Oh Father. Je suis la risée de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Délivre-moi. Deliver me. De cette opprobre collée sur moi. From this shame that is. Oh, relève ma face pour toujours. Relève ma face, relève ma face. Brighten relève my ma face, relève Brighten ma face. Relève ma face, relève Brighten ma face. Brighten my countenance. Ura bakashoro bakashara bakashoro bakashara baka ura bakashara bakashara baka ura bakashara bakashara baka ura bakashara baka ura bakashara bakashere baka ura bakashoro bakashara bakashoro baka ura bakashara bakashoro bakashoro baka ura bakashoro bakashoro baka ura bakashoro bakashoro baka ura bakashoro bakashoro baka ura 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 bakashoro baka. Dieu Père, oh Father, lève-toi. Arise.
Christ. Contre quiconque. Against anyone. S'oppose à ta prophétie dans ma vie. Who opposes your prophecy in my life. Quiconque s'oppose à ta prophétie dans ma vie. Anyone who opposes your prophecy in my life. Continue à prier. Continue to pray. Romba karamalaka, romba karamalaka, romba karamalabaka. Dis au Père, say, oh Father, que tous ceux qui ont des problèmes d'enfantement soient délivrés. Let all those who have problems with childbirth be delivered. Dis au Père, say, oh Father, Père, Father, roule cette opprobre. Roll away this. Libère les entrailles, libère les entrailles. Release their wombs. Libère les entrailles, libère les entrailles. Release their wombs. 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 Donne des enfantements miraculeux. Des enfantements miraculeux, 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 miraculeux. Oh Père, oh Père. Oh Father, oh Father. Oh Father. Roule cette opprobre, roule cette opprobre. Roule l'opprobre de la pauvreté, l'opprobre de la pauvreté. Nos maisons sont remplies de vieux fauteuils déchirés. Our houses are full vieux of déchirés. Torn and vieux déchirés. Couches. Dieu au Père. Des matelas vieux déchirés. Des draps vieux déchirés. All and worn out. Vieux sales déchirés. Oh Père, roule-nous. Délivre-nous de ce pro. Dieu au Père, délivre-nous. De l'opprobre de la pauvreté, la pauvreté. Dieu Père, délivre-nous de l'opprobre de l'échec. Deliver us from the disgrace of failure. Oh Père. Oh Father. Oh Père. Oh Father. Nous échouons là où tout le monde réussit. We fail where everyone succeeds. Là où tout le monde passe. Everyone passes. Quand moi je viens. But when I come, j'échoue. I fail. J'échoue là où tout le monde réussit. I fail where everyone has succeeded. Délivre-moi de cette opprobre. Deliver me from this disgrace. Oh, libère-moi, Seigneur. Deliver me, Lord. Toutes choses qu'on me confie devient petite, petite, petite. Everything that is handed over to me becomes small, small, small. Oh, délivre-moi. Oh, deliver me. Délivre-moi de cette infirmité. From this infirmity. Tout devient petit dans mes mains. Everything becomes small in my hands. Tout devient petit dans mes Everything mains. Everything becomes small in my hands. Je ne peux rien faire de grand. I cannot do anything big. Oh, Père. Oh, Father. Roule cette opprobre. Roll away this disgrace. Continue à prier.
prier pour toi-même. Tu peux t'asseoir. You can be seated, please. Dieu, au nom de Jésus. So in the name of Jesus. Nous commandons à tout mauvais esprit. We command every wicked spirit. Tout esprit démoniaque. Every demonic spirit. Envoyé par l'ennemi. Sent by the enemy. Pour entretenir le problème dans ma vie. To handle disgrace in my life. Qu'il parte. Let it go away. Satan, va-t'en vite. Satan, go away quickly. Que tout démon s'en aille. Let every demon go away. Tout démon s'en aille. Let every demon go away. Que tout démon s'en aille. Let every demon go away. Que tout démon s'en aille. Let every demon go away. Out and be gone. Sort of a town. Out and be gone. Vatam. Vatam. Go. Vatam. Vite. Vite. Quickly. Vite. Quickly. Vite. Quickly. Vite. Quickly. Vite. Quickly. Vite. Quickly. Quickly. Kora bakashoro bakashara bakashoro bakashara bakar. Out and be gone. Gardez le calme. Please be quiet. Si tu avais traversé les fétiches sans savoir. If you had walked over a fetish without knowing. Quelqu'un a adoré les idoles. Someone worshipped idols. Et on a donné le fétiche, on dit va mettre ça sur le chemin. And he was given some charms to go and put on the road. Celui qui va traverser va ramasser. The one we'll cross over them. We'll et tu es venu. It. And you came along. Tu as traversé. And you crossed over it. Et le démon t'a suivi. And the demon followed you. Un esprit humain ou un esprit démoniaque. A human spirit or a demonic spirit. Tu es libéré. You are set free. Tu es libéré. You are set free. Et que ce démon s'en aille. And let this demon go away. Et toi, mauvais esprit, va-t'en maintenant. And you evil spirit, be gone now. Que les voies s'ouvrent. May the pathway be opened. Que le mal que tu as mené te suive. Let the evil that you brought go with you. Va-t'en maintenant. Out now. Ton travail est fini. Your job is ended. Tes œuvres sont condamnées. And your works are condemned. Tu ne laisses rien partant. And you leave nothing back as you go. Va-t'en, vite, vite, va-t'en, vite, vite. Out, quickly, quickly. Kora bakasharga bakalakasharga. Tu restes concentré, tu contemples l'œuvre de Christ. Il y aura démantèlement total. Remain focused and concentrate on the work of Christ. Satan ne peut pas se cacher dans ta vie. There'll be total dismantling. Satan cannot hide in your life. Le Seigneur va opérer. Il est en train d'opérer une œuvre de purification. The Lord is performing a work of purification. Satan, va-t'en vite. Satan, go out quickly. Esprit démoniaque. Demonic spirit. Quel que soit ce qu'on t'a donné pour venir rester. Whatever you were given to come and stay. Je bannis tout cela. I banish all of that.
Je bannis tout cela. I banish all of that. Kurabaka sharabaka sharabaka sharabaka. Kurabaka sharabaka sharabaka. Si tu es un esprit venant du Comian, if you are a spirit coming from Comian, parce que tu as été adoré ou parce que on t'a envoyé, because you were sent or you were worshipped, parce qu'on a cité le nom de cette personne, or because that person's name was cited, dans tes adorations, in your worship, je proclame que la personne est libre. Proclaim that that person is set free. Urabaka sharaga bagalaga sharaga bagala. Urabaka sharaga bagalaga sharaga bagala. Va-t'en vite. Oh, quickly. Va-t'en vite, vite, vite. Go out quickly, quickly. Je te renverse au nom de Christ. I overthrow you in the name of Jesus Christ. Ora baka sharga baka sharga. Si tu es venu pour entretenir la pauvreté, if you came to handle poverty, tu es jugé, va-t'en. The judge begun. Ora baka sharga baka laka sharga. Si tu as suivi la personne, if you followed the person, par des brevets dans les songes ou la nourriture, through drinks, a dream or food, tu es jugé, va-t'en. The judge, God. Tu restes concentré, tu te consacres à Christ, tu contemples son œuvre dans ta vie. Remain focused, concentrate on Christ and behold his work in your life. Le Seigneur est en train de démolir les forteresses. The Lord is overthrowing strongholds, demolishing strongholds. Si tu es un démon, if you are a demon, pour produire les pensées impures, to produce les impure pensées thoughts, impures, les pensées impures, impure thoughts, pour freiner la marche, to slow down the walk, va-t'en vite, be gone quickly, va-t'en vite, 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 be gone quickly. Si tu es un esprit de jumeaux, if you are a spirit of twins, tu es venu parce que tes parents adoraient les jumeaux, you came in because your the parents of that person worshiped twins, tu es venu parce que les parents de cette personne ont adoré les jumeaux, you came in because the parents of that person worshiped twins. Va-t'en vite. Out quickly. Sors. Out. Tu es venu. You came in. À cause de l'adoration des jumeaux. Because of the worship of twins. Va-t'en. Be gone. Nous brisons le joug. We break the yoke. Va-t'en, 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 va-t'en. Depart, depart, depart. Tu ne dois habiter dans aucun corps. You must live in nobody. Si tu es venu, if you came, parce que les parents de cet enfant, because the parents of that child, ont adoré les statuettes représentant les maris de nuit et femmes de nuit, worship statues representing spirit husbands and spirit wives, ils ont offert des sacrifices, and they gave sacrifices, et tu penses que tu es leur Dieu,
And you think that you are their God. Tu n'es pas Dieu. You are not God. Tu es un démon. You are a demon. Sors. Out. Et va-t'en. And depart. Et je libère. And I release. Le vrai mariage de cet enfant. The true marriage of that child. Je brise les liens établis par l'adoration des statues. I break the bond established through the worship of statues. Esprit de mari de nuit. Spirit of spiritual husband. Mari de nuit, femme de nuit, mari de nuit, femme de nuit. Spiritual husband, spiritual wife. Toi, démon qui a deux sexes ou trois sexes. You, this demon who has two or three sexual organs. Je te chasse. Va-t'en. Be gone. Je te chasse. I cast you out. Va-t'en. Go away. Je te chasse. Va-t'en. Depart. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Sors et va-t'en. Out and be gone. Sors et va-t'en. Out and be gone. Sors et va-t'en. Out and be gone. Gardez le calme. Please be quiet. Si tu es un démon, if you are a demon, qui est venu? That came in à travers l'argent ramassé. True money that was picked up. L'argent ramassé. Money picked up. L'argent trouvé. Money found. Et tu as ramassé. And you picked it up. Et le lien a été établi. And the bond was established. Et le démon t'a suivi. And the demon followed you. Et le démon t'a suivi. And the demon followed you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. I declare that you are free. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Et le démon doit partir. And the demon is gone. Le démon doit partir. And that demon must go. Je brise le lien établi par cet argent. I break the bond established by that money. Si ce n'était pas l'argent mais un autre objet. If it was not money but another object. Et le lien a été établi. And the bond was established. Je déclare que c'est annulé. I declare that it is cancelled. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. C'est annulé, c'est annulé. It's cancelled. Sors et va-t'en, sors et va-t'en. Out and be gone, out and be gone. Sors et va-t'en, sors et va-t'en. Out and be gone. Si tu es une femme. If you are a lady. Qu'un homme a envoûté par un charme. Who was bewitched by a man with a charm. Avec sa salive ou ses urines ou son sang. With his saliva, his urine or his blood. S'il t'a amené à faire à signer un pacte de sang. If he made you to sign a blood pact. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Tu es libre. You are free. Et que le démon s'en aille. And let that demon go away. Démon s'en aille. That is go away. Va-t'en. Va-t'en vite, vite. Depart, depart quickly. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Depart, depart, depart. Tous les pactes de sang. Every blood pact. Tous les pactes de sang. Every blood pact. Annulés. Cancelled. Par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Brisés. Broken. Démon, va-t'en vite. Demon, go out quickly. Que la paix de Dieu soit avec toi. The peace of God be with you. Que tout ce que Satan voulait faire contre toi échoue. Let everything that Satan wanted to do against you fail. Lève ta main droite, dis,
Dis, je détruis tout piège dans lequel je suis tombé sans savoir. Raise your eyes and I say, I destroy every trap in which I fell unknowingly. Dis, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je détruis. I destroy toute prison spirituelle. Every spiritual prison. Tout endroit dans lequel mon âme est enfermée. Every place in which my soul is closed up. Je brise tout, je renverse. I break everything I overthrow. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Une sœur a dit qu'elle était dans une tombe. Elle l'a cassée. Dieu au nom de Jésus. Je casse la tombe. I break the grave. J'ai dit captif. J'ai captif. Sortez. Out. Dis, je casse la tombe. I break the grave. Je brise toute bouteille. I break every bottle. Je brise tout objet. I break every object. Qui sert de lieu d'enfouissement. That serves as a place of bewitchment. Que les forêts soient sentiers. May forests be burnt up. Je fraye le chemin. I pave the way. Et je sors sans obstacle. And I come out without any obstacle. Je déracine les collines. I uproot the hills. J'enlève tout ce qui m'appartient. And I take away everything that belongs to me. Et je me plonge dans le sang de Jésus. And I plunge myself in the blood of Jesus. Reste concentré. Remain focused. Va-t'en vite. Depart quickly. Va-t'en vite. Depart quickly. Que tout ce que tu as avalé soit vomi. Let everything that you swallowed be vomited. Que tous ceux qui ont avalé quelque chose dont ils ne savent. Let everyone. Ils ne savent pas quand et comment, mais c'est en eux. Who swallows something? Que c'est la sorte maintenant. Or where or how that is in them. Vomit in the name of Jesus. Que tout sorte, tout sorte. Let it come out, all of it. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que rien ne reste. Let nothing remain. Que rien ne reste, rien ne reste. Let nothing remain, let nothing remain. Que le sang de Jésus nettoie l'homme intérieur. Que le sang de Jésus nettoie. Let the blood of Jesus. Que le sang de Jésus nettoie. Purify the inner man, purify the inner man. Pose la main sur ta tête. Lay your hand on your head. Je refuse. Say I refuse. Quel esprit se cache en moi et résiste à Dieu. That any spirit should hide itself in me and resist God. Que mon Dieu. That my God. Jésus Christ. Jesus Christ. M'a sauvé. Saved me. Mon corps n'est pas le temple des démons. My body is not a temple of demons. Je voudrais d'abord vous expliquer quelque chose. I would like to explain something to you, please. Dieu est à l'œuvre. God is at work. Et je suis très content. And I'm very happy. Vous avez vu les premiers jours là, les démons tombaient comme les fruits mûrs. You notice that on the first days, demons were falling out everywhere. We are going towards the end. Les manifestations deviennent rares. Manifestations are becoming rare. Ça veut dire que les délivrances sont authentiques. It means that the deliverances are genuine. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, so what you need to do now? Il faut frapper loin, frapper. Tu dis que même si c'est caché, que ça sorte. You must strike. Hard and strike and say if it's hidden, it should come out. Si c'était le jeu, ça allait être que les mêmes personnes sont là, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. If it was a joke, you'd have been the same people falling. Si on continue même, il y aura un jour, on dit au nom de Jésus, c'est le dernier jour là, c'est le Saint-Esprit qui va descendre ici.
On the last day, it will be the Holy Spirit that will come down here. Donc pose la main, dis mon corps est le temple de Jésus. So lay your hand on your head and say, my body is the temple of the Lord. Et tu te consacres. And consecrate yourself. Tu pries, je suis à toi, Jésus, c'est toi que j'aime, c'est toi. Pray and say, Lord, I belong to you. It is you that I love. It is you. C'est toi, Jésus. Maintenant, tenons-nous debout. Please, let's stand. Tu vas dire que tout ce qui, vous voyez comment l'ennemi a fui. Donc, demandons que tous ceux qui nous suivent en ligne soient visités d'une manière exceptionnelle. Qu'il y ait des délivrances authentiques et des guérisons authentiques. Au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui est engagé dans la prière actuellement avec nous soit délivré d'une façon authentique. Que tout démon qui possède une telle personne sorte au nom de Jésus-Christ. Out in the name of Jesus. Esprit est pur. Unclean spirit. Va-t'en, sort, libère la personne. Out quickly. Release that person. Levons les mains, prions que l'opprobre soit roulé. Raise your hand and pray that disgrace will be rolled away. Que toute preuve soit roulée. And every disgrace will be rolled away. Offrons une offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Let us offer a round of applause to the Lord Jesus Christ. Jésus. Nous avons besoin de 5 témoignages d'une minute chacun ici avant de rentrer. 5 témoignages de ce que tu as vécu dans ton esprit ce soir. Où sont-ils? Je suis le frère Yapo Séverin. Non, viens. Vas-y. Je suis disciple du missionnaire de Bonnois, le pasteur Didier Boro. Je suis dirigeant de l'Assemblée 6. Tout à l'heure, quand on est venu pour la prière, avant de commencer, j'étais assise à côté de mon épouse et je lui disais que j'avais mal au dos. Le mal de dos, là, c'est depuis 1998 que j'ai ce mal-là. Mais tout à l'heure, quand on a commencé à prier, le pasteur a parlé des maladies. Donc, j'ai demandé à ce que le Seigneur me guérisse authentiquement du mal de dos et puis de la colonne vertébrale. Donc, actuellement, je suis en train de vous parler. Le Seigneur m'a guéri et j'ai la conviction. Il m'a donné la conviction que je remue sans problème. Jésus-Christ. Mais avant, Jesus je ne pouvais Christ. Pas faire cette vidéo. Oh, Jésus-Christ. Merci au Seigneur. Acclamation, Jésus-Christ guéri encore Jesus aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je suis arrivée ici vers midi avec beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs. Je me déplaçais difficilement. Après la prière, j'ai senti une sensation de fraîcheur. Et là, vraiment, je me porte mieux. Je voudrais rendre toute la gloire au Seigneur qui m'a visité au nom de Jésus. Amen. Mon deuxième témoignage, c'est une vision que j'ai reçue pendant la prière. Quand on chassait les démons, et le pasteur a demandé que les tombes soient brisées, que les bouteilles soient cassées. Je voyais des bouteilles qui se fracassaient, des tombes qui s'ouvraient.
et les forêts qui étaient en feu. Partout, il y avait le feu, partout. Dès que le pasteur commandait, c'était une exécution automatique. Dans les forêts, il y avait le feu partout. Tout était consumé. Je rends grâce à Dieu qui nous a libérés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, mon témoignage, c'est une vision. Je me nomme Marie Kwame, disciple de pasteur Fiacre. Dessus, lorsque le pasteur a dit de prendre les sujets et prier sur nos sujets, il nous a demandé de se tenir debout. Lorsqu'on s'était tenu debout et on priait, j'ai vu une main qui ramassait tous les sujets sous la bâche jusqu'au semeur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Il a ramassé jusqu'au semeur. Le pasteur était. Les enfants acclament. Les enfants acclament. Merci. Il allait. Lorsque le pasteur était ici, on continuait la prière. J'étais concentré. Et il allait s'asseoir au bureau du pasteur et il a commencé à signer le papier. Signer, signer, signer. Jésus-Christ.